Bonjour, je suis Sémé Krigal, enseignant en activité physique adaptée sur l'Aveyron. J'ai créé le service en 2012. Depuis juillet 2020, Charlène a rejoint l'aventure. Depuis plus d'un an, je collabore avec Benjamin et Julien, DT Indien. Bonjour à tous, donc moi c'est Charlène et je suis enseignante en activité physique adaptée. Aujourd'hui, avec Cédric, on va vous présenter des exercices pour travailler votre équilibre. Donc Cédric présentera plus particulièrement un exercice de renforcement musculaire, puisque le renforcement musculaire est essentiel dans le maintien de l'équilibre et de la posture. Et ensuite, vous verrez d'autres exercices mettant en jeu l'équilibre en statique et en dynamique. Allez, c'est parti! Le premier exercice est un exercice de force. Vous allez vous lever 5 fois de la chaise, les mains croisées sur vos épaules. Pour cet exercice, je vous recommande de placer la chaise contre le mur, pour éviter qu'elle glisse, et de dégager l'espace. Pas de tapis, ni quoi que ce soit. Placez vos mains sur les épaules, vous allez vous lever. Quand vous allez vous lever, vous allez souffler. On souffle, on se lève. On s'assoit lentement. On le fait une seconde fois. On souffle, on se lève. On se rassoit lentement. Le troisième. On souffle, on se lève, on se rassoit lentement. Le quatrième, on souffle, on se lève, on se rassoit lentement. Le cinquième et dernier, on souffle, on se lève, et on se rassoit lentement. Vous placez la chaise contre le mur pour éviter qu'elle glisse. Vous vous placez les pieds serrés. Vous regardez loin devant vous. Dès que vous sentez que l'équilibre est là, vous lâchez la chaise et vous attendez 10 secondes. Et vous relâchez. On attrape la chaise et on relâche. Donc là, tout en gardant la position que Cédric vous a montrée à l'instant, vous allez garder vos pieds joints. Vous allez vous gainer, vous tenir bien droit, serrer les abdos et les fessiers. Et on va faire maintenant l'exercice en dynamique. Donc vous allez tendre vos bras devant vous. On les tient bien droit et on attend pendant 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche, on souffle. Maintenant, on fait le même exercice, mais on va tendre les bras sur le côté. Allez, c'est parti. On tient les bras bien droits. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Et la dernière position, maintenant, vous allez monter les bras vers le plafond, vous allez vous tenir bien droit et on monte les mains le plus haut possible. Allez, c'est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Et on souffle. On enchaîne sur le second exercice. Un pied l'un devant l'autre, en position tandem. On pousse fort sur les jambes. Vous lâchez la chaise. On attend 10 secondes. Vous regardez loin devant vous. Pensez à pousser fort sur vos jambes. Vous relâchez. On attrape la chaise. On change de pied. On se stabilise, on pousse fort sur ses jambes, on ancre ses pieds au sol, vous lâchez la chaise et on attend 10 secondes. Vous respirez tranquillement, on ne force pas la respiration, vous regardez loin devant vous. Et on relâche. On attrape la chaise et on revient dans la position. Allez, donc là, vous
allez toujours tenir la chaise. On part pieds joints. Et on va venir donc se tenir bien droit. On regarde loin devant soi. Et on va venir déposer le pied droit devant le pied gauche. Et puis derrière. On le pose bien à plat. Devant et derrière. Vous pouvez le faire tout en vous tenant ou sans vous tenir. Allez, donc on le fait, c'est parti. On le fait 6 fois. Devant, 1. Derrière, 2. 3. 4. 5. Et 6, on relâche. Allez, donc maintenant on va faire pareil, mais avec l'autre pied. Donc on va venir placer, on part pied joint, on se tient bien droit, et on va venir placer le pied gauche devant le pied droit. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Et 6. Et on relâche. Allez, pour cet exercice, on va faire des montées de genoux. Donc il va y avoir 3 niveaux de difficulté. On va partir du plus facile au plus difficile. Le plus facile consiste donc à se tenir à la chaise. Pensez vraiment à mettre la chaise contre le mur, l'assise tournée contre le mur. On pose la main sur la chaise qui est bien stable et on va venir monter les genoux. Pensez à vous tenir bien droit et à regarder loin devant vous. Donc on va monter les genoux assez lentement et on va le faire 6 fois. Allez, c'est parti. On monte le genou droit, puis le genou gauche. 2, 3, 4. 5 et 6 et on relâche, on souffle un peu. Allez, donc pour la deuxième évolution, donc c'est le niveau intermédiaire, on va venir monter les genoux, pareil, lentement mais sans se tenir à la chaise. Allez, donc on en fait 6, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et on relâche. Le niveau le plus difficile, pour finir, vous allez vraiment venir monter les genoux, mais lentement. Et on le fait 6 fois. Donc on y va très lentement. 1, 2, 3, 4, 5. Et 6, le dernier. Et on relâche. Vous choisirez le niveau qui vous correspond et qui soit en adéquation avec vos capacités. Allez, maintenant c'est à vous de jouer. C'est parti !